Son
l'Église dans la démission d'une autorisation pour un quelconque démantèlement avant que le travail soit complété en commission parlementaire, 21 septembre 2010. Résultat, elle a autorisé le démantèlement avant le dépôt du rapport pour le 29 juin 2011. Le rapport n'a toujours pas été rendu public. Donc, qu'est-ce qu'on a comme démonstration? Très simple. Que ce gouvernement-là n'a aucun problème à mentir et fronter nos Québécois. Jean Charest est un menteur pathologique. Dans le cadre du plan Nord, il y a eu une table des partenaires sur le développement durable qui a été mise sur pied. Qu'est-il arrivé à la fin de ces négociations? La très grande majorité des recommandations de la table du développement durable ont été rejetées. Il faut se souvenir de ça. Ensuite de ça, nous, le groupe MGO 21e siècle, avons demandé d'avoir accès aux redevances obtenues en gaz, en pétrole, en mine depuis 2000. Le ministère des Finances a refusé accès à ces informations-là. Hydro-Québec, j'ai refusé l'accès à ces informations-là. Investissement Québec, j'ai refusé l'accès à ces informations-là. Le ministère des Ressources naturelles est hors la loi parce que lui, il n'a même pas daigné répondre à notre demande d'accès à l'information. Le ministère des Ressources naturelles est hors la loi. Donc, ce gouvernement-là nous ment depuis des années, nous ment régulièrement, nous vole et le plus corrompu depuis 100 ans, et là, il faudrait qu'on se fie sur sa parole pour le plan Nord. Non, non, ce gouvernement-là est le plus corrompu depuis un siècle. Et c'est pour ça qu'on est allé porter plainte à la police pour vol de nos ressources, parce qu'il est en train de faire, c'est d'enrichir quelques-uns et d'appauvrir l'ensemble des Québécois. C'est ça qui est en train de se passer. Merci. Ressources collectives qui appartiennent à tous les Québécois et les Québécoises.
en effet plutôt 3% de redevance des produits minières. Donc essentiellement, les compagnies minières partent avec 87% de la valeur du minerai non renouvelable et nous laissent un maigre 3%. Ce n'est pas le genre de développement que l'on veut au Québec. On veut un développement au Québec qui soit responsable, qui profite aux Québécois et qui profite aux générations futures. Alors, il faut s'opposer au plan Nord, il faut s'exprimer. Je vous invite à vous informer dans les médias, je vous invite à prendre l'information, à parler entre vous. Et quand il est question du plan Nord, à vous présenter comme citoyen et vous opposer à ce plan-là, c'est inacceptable présentement. Au moment où on parle, il y a des routes qui se construisent au Québec, payées par l'État et qui vont être à l'usage exclusif des compagnies minières. Il fut un temps où c'est les compagnies qui payaient pour leur route, maintenant Jean Charest leur donne la route gratuitement. La semaine passée, l'IREC a organisé un colloque sur les ressources naturelles et des sous-ministres, des anciens ministres, Jean Parizeau était là, Hugo Lapointe, pour que le Québec est meilleur, même était là aussi. Et vous pouvez trouver l'intégralité de cette conférence en ligne et vous allez en apprendre des vertus et des pommures. Je vous invite à aller sur le site de l'IREC. Le colloque sur les ressources naturelles qui s'est tenu la semaine passée. C'est très important que vous soyez tous informés. Merci aux notaires citoyens et au mouvement du 24 septembre d'avoir organisé cette manifestation. Merci aux gens d'Occupons.